Thank you.
Chérie, je crois que je vais arrêter là. Ça va? Je vais bien. Putain de merde! Ton vaisseau est à nous, connasse! Regardez ça! Frau Engel fait encore son numéro à la télé! C'était votre robe! J'ai cru que c'était un sac poubelle! C'est qui là? Wunderbar! Wunderbar! C'est l'heure de la pub! Nous reviendrons avec le général Engel et Die Käfer! Juste après ça! Je peux rester ici. Désolée, mais je ne peux pas participer à ça. Pas de problème, Sig. On comprend très bien. Quant à vous autres, vous êtes prêts pour la révolution ? C'est parti. Caméra 3, travelling à gauche pour le plan large. Stop, Gunther. Attendez. Quoi? Regarde. Merde. Reste à l'antenne. Va faire ce que tu as à faire, mon chou. C'est pas possible, ça peut pas être lui. Vous sentez ça? Le destin va prendre. Payez cher pour les avoir. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pourboire. Bon, ok, allez, nous revoilà. J'ai une véritable héroïne à mes côtés. La plus grande personnalité jamais invitée sur ce plateau. La terreur des terroristes du monde entier, le général Engel. Ouais, le général Engel. Bienvenue, général. Très bien, très bien. Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. J'aimerais que vous nous parliez du moment précis où vous avez exécuté Blasco, le barjon. Et c'était comment? Vous avez dû vivre une tempête d'émotions, non? En fait, Jimmy, je me souviens qu'au moment même où j'ai levé mon sabre, je me suis dit que nous étions en sécurité à présent. Blasco le barjot représentait une effroyable menace pour tout le monde. C'était un démon ayant pris l'apparence humaine. Mais j'ai prouvé que même un démon tombe... Ça doit se passer au premier plan. Pour toi, Caroline. Oui, 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 exact. Et au peuple de l'Amérique, je promets ceci. Si parmi vous, des démons se cachent, nous les traquerons. Ils connaîtront le même sort que William Joseph Blaskowitz. Ils seront exécutés et consumés jusqu'à ce que plus rien n'entrave la sécurité des bonnes gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourtant, moi, j'ai coupé la tête. Je l'ai tué. Eh ben, ça n'a pas suffi. T'es en circuit, Kédo. Et ici, c'est notre forêt. Ah, ouais. Blasco le barjo. Oh, bon Dieu, regardez-vous. Ouais, c'est à vous que je cause. Vous qui êtes affalés devant vos télévisions nazies à vous gaver de bratwurst. À rigoler, à vous marrer pendant qu'ils vous mentent. À rigoler jusqu'à étouffer. Ce soir, c'est terminé. Ouais, ce soir, c'est terminé.
mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, ce soir, nous, les hommes libres de la Résistance, nous vous demandons de nous rejoindre. C'est des menteurs. Ils vous mentent. Et ils vous menacent. Ils vous torturent. Ils vous tuent. Ils vous forcent à vous soumettre. Ils vous oppriment. Ils ont fait de vos seules pensées un crime. Mais si ce soir, vous nous rejoignez, vous pourrez enfin parler librement. Ouais. Vous êtes avec nous. Ouais, absolument. Et si ce soir vous sortez dans la rue avec des couteaux ou des briques, ou rien qu'avec vos poings serrés pour combattre le pouvoir en place, alors vous serez des nôtres. Au matin, vous regarderez vos mains. Et si elles sont couvertes du sang de nos oppresseurs, alors vous serez des nôtres. Si ce soir vous prenez vos bébés dans vos bras et jurez qu'ils grandiront dans un monde libre, alors vous serez des nôtres. Vous avez oublié ? Ce sont eux qui ont apporté la guerre sur nos terres. Ouais. Et ils nous ont battus. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont exécutés. Mais vous savez quoi ? Ce soir, ils vont enfin comprendre qu'ils ont fait les cons avec le mauvais pays, mes frères et mes sœurs des États-Unis d'Amérique, quand on se battra tous ensemble. Alors rien ni personne ne nous volera notre pays. Ce soir, il brûle. Ce soir, vous serez des nôtres. Blasco, pendant que ces gars partent botter le cul et révolutionner le pays, toi et moi, on va se payer du bon temps en éliminant tous les Uber-commandeurs qui restent à bord. Penche-toi sur la machine Enigma et la carte et fais ton micmac. Je te suivrai par radio.
Ouvrons la voie pour nos troupes au sol. J'ai encore quelques... affaires. Oh, je suis sur votre chemin.